ما هو التوحيد؟ Qu'est-ce que c'est que le tawhid? قد يسألك سائل ويقول هل أنت موحد؟ Quelqu'un peut te demander la question suivante, peut t'interroger de la façon suivante. Est-ce que toi tu mets en pratique le tawhid? At-tawhid huwa ifrad Allah subhanahu wa ta'ala bima yahtassu bih. Le tawhid, l'unicité, c'est unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qui lui est particulier. Min tawhid ar-rububiyyah wal-uluhiyyah wal-asma'i was-sifat. L'unicité dans la seigneurie, l'unicité dans la divinité et l'unicité dans les noms et les attributs. Tawhid ar-rububiyyah. L'unicité dans la seigneurie, qu'est-ce que c'est? هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. C'est unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actes à lui. أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق. Que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui le créateur. وهو الرازق. C'est lui qui nous donne notre subsistance. وهو الذي يدبر الأمر. C'est lui qui gère absolument tout. الثاني توحيد الألوهية توحيد العبادة. Deuxième type de tawhid, l'unicité dans l'adoration. هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة لا يعبد إلا الله. C'est unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. On ne doit adorer qu'Allah tabaraka wa ta'ala. الثالث توحيد الأسماء والصفات. Donc troisième type de d'unicité, l'unicité dans les noms et les attributs. يفرد الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته. On doit unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs. نثبت كل ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. On doit affirmer parmi ses noms et ses attributs ce que Allah et son prophète صلى الله عليه وسلم ont affirmé pour Allah تبارك وتعالى. لا يمكن أن الخالق الكامل سبحانه وتعالى يماثل المخلوق الناقص. Il est impossible que le créateur soit semblable à la créature imparfaite. تقول آمنت صدقت سلمت والله أعلم. Tu dois dire آمنت je crois et je crois amen tout hein. ولا تسأل لا تقول لماذا كذا ولماذا كذا فقط تقول أنا مصدق مسلم بالأسماء والصفات والله أعلم. Tu dois te soumettre à ces informations concernant les noms et les attributs sans poser